tous les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. J'espère que vous êtes chaud pour ce live de Multiplex en cet après-midi. Donc, on se retrouve pour le retour. Enfin, ça faisait très longtemps. Très longtemps que j'avais envie de live. Hein. Mais pour des raisons, donc, je vous en parlais bien sûr tout au long du live. Mais pour des raisons dont le lycée, j'ai pas pu live un certain temps. Mais c'est reparti, la saison est reprise. Et on est parti pour live ensemble. On va commencer par le multiplex aujourd'hui. Et puis on enchaînera sur les différentes semaines qui vont s'écrouler. En tout cas, salut à tous, salut à Johan qui fait son retour, salut à Super Polo Lulu, salut à Tom, salut à Ewen, salut à tous ceux qui sont là, bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Bonjour, ça va nickel, j'espère que toi aussi tu vas très bien, moi ça va. Donc on est parti pour la première journée du multiplex avec donc 3 matchs cette fois-ci, vu que vous savez la Ligue 1 est à 18 maintenant, ils sont obligés de tout simplement enlever une journée, enfin un match sur une journée. Donc on n'est plus qu'à 3 maintenant, 3 matchs lors du multiplex. Normalement vous m'entendez bien, tout va bien au niveau du micro aussi, je pense que vous devez bien m'entendre, n'hésitez pas à me dire si tout va bien. On est parti donc, multiplex dans 8 minutes les amis, le multi dans 8 minutes, on est parti, les compos, je regarde juste un truc, voilà c'est comme ça, tac, voilà. Salut Momo, salut à toi, salut MH18, j'espère que tu vas bien mon ami. Allez c'est parti, donc la compo de Clermont face à Monaco, la voici donc en 3-4-3 avec donc Dio dans les buts. On a une défense à 3 avec Pelmad, Wisk, Lucas et Seydou. Milieu à 4 avec Borge, Gastien, Gonalon et Zerfan. Et une attaque avec en bras pour Kay, l'attaquant qui avait fait une très bonne saison, hein, on se rappelle l'année dernière, Alevina et Sarah Sevic. Voilà pour la composition de Clermont, la composition de l'AS Monaco avec donc là aussi un 3-4-3 avec Cole dans les buts, Massaga, Maripan, Matsima en défense à 3, Keo, Enrique, Camara, Fofana et Vanderson au milieu à 4 et en attaque à 3 vous avez donc Golovin, Minamino et la pointe haute qui sera tout simplement Ben Yedder. Voilà donc pour cette équipe, salut Guillaume, salut à toi mon ami. La compo de maintenant Montpellier, donc on a un 4-4-2 avec Lecomte dans les buts, Silla, Kiki, Bouyaté, Julien, Sakho en défense à 4, Altamari, Ferry, Chotard et Savani au milieu à 4, Adams et Wabi Kazri pour l'attaque à 2. La composition donc de Du Havre, pardon, excusez-moi, Arthur Tasmas dans les buts, défense à 4 avec Nego, Salmi, la recrue en provenance de 3, Saint-Ganté et le frère d'Hugo Lloris, Gauthier Lloris. Mieux à 3 avec Ndiaye, Darganli, Kuyazem, un peu difficile à prononcer. Alioui en attaque à 3 avec Soumaré et Casimir. Voilà donc pour l'équipe de 3 de Du Havre, pardon, qui a fait son retour cet après-midi. Donc dans l'élite du football, comme je vous l'ai dit, l'équipe de 3 qui fait son retour, ça va très bien, 18, j'espère que tu vas bien. Et voilà, la troisième et dernière compo avec Nantes face à Toulouse. Là voilà, avec Lafont dans les buts, pas loin, Pierre Gabriel et Zézé qui sera en défense à 3. Merlin, Chirivella, Moutoussami et Coco qui sont en milieu à 4. Et une attaque avec Simon, Mollet en point de basse et Mohamed. Pour la compo de Toulouse, la compo la dernière avec Restis dans les buts. Je pense que ça doit se dire comme ça, j'ai pas encore trop son phonique en tête. Ça doit se dire comme ça. Soiseau, Nicolaisen, Costa et Deisler. Thank you.
Et donc je disais défense à 3 avec Diarra, Dalinga et Abouklal. Les amis, le match va débuter juste un instant. Je vais... Normalement on doit m'entendre. Salut à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Salut.
Bienvenue à tous. Allez, c'est parti les amis. Bon match à tous. C'est Wissam Ben Yedder qui donne le coup d'envoi de ce premier multiplex de la saison sur la chaîne de Speedfoot. Oh, on voit là le terrain de... Enfin, le stade en tout cas de Clermont qui a été rasé complètement. Allez. Premier ballon pour les monégasques. Ça fait tourner. Ouais, on se met une défense à 3 avec Marie Panou. Attention, la paire de balles de Maropane, c'est récupéré par Gastien. Gastien avec Kay. Kay qui va être temporisé. C'est bien joué. Ou bon retour là de la part de Matsuma. Allez, c'est parti. Attention avec première accélération de Vanderson. Bon retour de la part de la défense avec la défense clermontoise. Allez, tout c'est doux. Belmar, bien joué, au bon retour là, avec pourquoi pas une occasion, côté gauche, ça va rentrer, oh, bien joué, pour les profondeurs qui ont réussi à récupérer. Allez, attention, le contre monégasque, retour de la défense, avec Peina, Belmar, Auricchio. Allez, tout c'est doux. C'est bien joué ça. Avec pourquoi pas une occasion. Avec le centre. Première frappe et première frappe encadrée pour. C'est pour qui là? Faut que je m'en habitue là. Zéphran. C'est pour Zéphran. C'est parti sur toute la pelouse. Oh, et première grosse occasion à Montpellier, Le Havre. On va aller sur la pelouse. On va aller sur la pelouse de Nantes. On va aller sur la pelouse de Nantes. Il y a déjà un carton jaune pour Marcus Coco. Déjà un carton. Le premier de la rencontre. Normalement on doit m'entendre mieux là. Normalement on doit m'entendre mieux. Allez, avec le ballon, c'est bien joué pour Lafond. Oh, et on va aller à Montpellier. On va aller à Montpellier avec Desmas là qui a le ballon. Récupération. Allez, ça fait tourner. Oh, attention, et pourquoi pas avec une occasion côté droit. C'est bien joué pour les pour le hack avec Casimir. Oh, Casimir. Et la faute. Et la faute. La faute sur Soumaré, pardon. Soumaré. C'est Monsieur Turpin qui arbitre. Allez, Soumaré donc. Face au duel avec Kouyaté. Et Lucas Elsner qui est l'entraîneur donc de du Havre qui est à la tête de la formation du Havre. Et donc coup franc, je vous disais, coup franc pour les Havrais côté droit, ouais, pas mal excentré. Allez, ça va être tiré par Alioui. Allez, Alioui, le coup franc, c'est bien placé. Oh, le premier but. Oh, le premier but, le voilà. Le Havre qui marque le premier but de ce multiplex. Le retour du Havre en Ligue 1 en feu. Le but de Gauthier Lloris. Et beau but hein, de la part de Golioris qui était bien présent dans la phase de réparation sur ce coup franc. Ah, il a pas fait exprès, ça revient sur lui, mais bon, il était placé. Il était placé au bon moment. Il est bien aidé par la tête. bien aidé par la tête de
de Salmier qui la remet. Et en tout cas, attendez, parce qu'il y aurait peut-être une main. En tout cas, c'est ce que ça réclame. Ça réclame une main. C'est en train d'être checké par la VAR. Non, pas de jeu de la mi-temps aujourd'hui. J'ai pas eu le temps de le préparer. Pas de jeu de la mi-temps, mais vous en faites pas. Et Samy, là, on le voit qui a la main au visage. Il a pris le ballon dans la tête. Et ben, ça a fait une passe D quand même. Ça a fait une passe D quand même. Ils sont en train de se réunir autour de l'arbitre pour une potentielle main. Je sais pas, on verra, on va voir ce que ça va dire. Ça faisait 14 ans que Le Havre n'avait pas marqué en Ligue 1. On revoit le coup franc avec la superbe tête, le superbe centre surtout de Alioui sur Salmier et la tête remise sur Lloris. Et c'est bon, le but est validé, le but est bien validé, 1-0 pour Le Havre. Ça y est, c'est déjà lancé ce multiplex, ça fait 6 minutes, c'est les Foot Live Show. Allez, le ballon pour les Montpellierains. Allez, le premier corner de cette partie, on est à Monaco, à Clermont contre Monaco pour Clermontois. Allez, Mohamed Cham qui va se charger, peut-être un but avec un centre. Oh, et c'est trouvé le gardien. Oh, le but de la part de Vinesco. Il s'est trouvé le gardien. Et ça fait 1-0 pour Clermont face à Monaco. Le but et la gourde de Cône. Magnifique tête plongeante. Ça fait 1-0 pour Clermont face à Monaco. Quelle gourde de la part du gardien par contre. Quelle gourde de la part du gardien. Elle arrive sur lui en plus la balle. Hein. Facile à capter. Attends, la tête plongeante est magnifique par contre. Tête plongeante magnifique. Ouais, c'est une faute technique du gardien. Faute technique du gardien. Vous avez le classement qui s'actualise en direct. Vous avez le classement en direct les amis. Allez, le ballon pour les Monégasques, du coup, avec ce 1-0, ça va très mal à Monaco. On voit avec cette ouverture de score de 8-7K à la 7ème minute de jeu. Allez, le ballon pour le gardien avec Dio. Ça va ressortir propre côté Clermontois. Allez, le ballon pour Gastien, la remontée de balle. Ça fait tourner en tout cas. Le ballon qui est en long. Non, ça sera rendu au Monégasque avec Magassois. Allez. Oh, le ballon pour les Monégasques. Bien joué avec Van Nielsen côté droit. Le centre, la tête. Oh là 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 là. Et ce sera un corner. Ce sera un corner pour les Monégasques. Et là, on voit la tête de Winsenka qui l'envoie en corner directement. Allez, le ballon pour donc les Monégasques avec Golovin qui va frapper ce corner côté droit. C'est frappé ou c'est très 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 excentré. La tête de la part de Dio. Allez, Cham, 10 minutes de jeu les amis. But pour Clermont, je vous rappelle, 1-0. But du défenseur central Winsenka sur corner. Et là, on va aller sur la pelouse de Nantes. Et qu'est-ce qui se passe là? Penalty. Oh oui, penalty. Et penalty pour Nantes. Et pénalty pour Nantes les amis. Faute sur Moutou Samy. Pénalty pour Nantes. Oula, l'intervention est pas du tout académique de la part du numéro 24. C'est Cazeres, oui.
C'est la recrue toulousaine, Cazeres, là, qui... C'est Cazeres, oui, c'est Cazeres. Là, va finir dans le top 10, nous dit PPCT. Ah, on verra, on verra. Et allez, attention, le pénalty de Mustapha Mohamed, je vous disais, peut-être un but pour Nantes, là. Oh, et Van der Sande qui a failli égaliser après une superbe chevauchée de la part de Fofana à Monaco. Et ça tape le poteau. Merci à tous, hein, la team, d'être là. En tout cas, merci, merci. Ça fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi, Raphaël. Allez, donc Mustapha Mohamed qui a une superbe occasion de d'ouvrir le score là en tout cas. Ça a été confirmé, le pénalty est bien confirmé. Mustapha Mohamed qui va avoir la chance de s'élancer. Sur Prime Vidéo, Youssef. Prime Vidéo. Allez, Mustapha Mohamed, c'est bien joué les petits pas. C'est dedans, j'ai cru que c'était loupé. J'ai cru que c'était loupé, c'est dedans, ça fait 3 buts dans ce multiplex. Et le premier pour Nantes et Mustapha Mohamed qui ouvre déjà son compteur, les amis. Parfaitement exécuté. Petit piqué quand même, mais c'est quand même bien maîtrisé. Tout est sur Prime Vidéo. Ouais, quasiment, image 18. En tout cas, cet après-midi, oui. Petit ballon en hauteur, bien effectué. Et ça fait 1-0. Et Nantes qui passe 4e actuellement. Et Mustapha Mohamed donc, qui je l'espère fera une grande saison pour le FC Nantes en tout cas. Si, tout à fait. Tu parles de moi mais match 18. Si, tout à fait, moi je suis pour Nancy, ultra nancéen. Allez, c'est reparti donc, 1-0 pour Nantes face à Toulouse. 13e minute de jeu, but sur pénalty de Mustapha Mohamed. Salut Zifex. Merci en tout cas d'être aussi nombreux, ça fait plaisir. Allez, bien joué pour le Havre. Oh, le beau retour. Oh, merci pour le don de 2 euros. Merci, merci beaucoup. Merci à toi, Rustix. Merci infiniment à toi. Merci à toi, en tout cas, mon ami, de ton don de 2 euros. Ça fait extrêmement plaisir. Merci à Raph, une nouvelle fois. Oh, attention, le ballon pour les Montpellierens, on est sur la pelouse de la Mosson. Il y aura un coup franc. Sur Savanier. Et Monsieur Turpin qui siffle donc le coup franc. On voit Mathieu Bodmer là. Ah, je sais pas, la fourmi, je sais pas. Je ne sais pas, on verra, hein. Pour l'instant ils sont deuxième. Bon, ça veut rien dire, mais on verra. Faut déjà qu'ils se qualifient en Ligue des Champions et ce sera déjà pas mal. On verra après, je pense, pour ce qui est... Attends, ça va nier, le coup français, beauté, c'est renvoyé par le mur. Salut TV Conan, ça va très bien. Oh, attention, le 2 contre 1 pour les Havrais, c'est bien joué la transition. Est-ce qu'il l'a vu? Oui, c'est fait. Non, le bon retour de la part... de Moussa Altabari qui fait un très très bon match pour l'instant. Dommage qu'il était en bout de course. Allez, le Havre. Allez, le ballon pour Sako qui va relancer. Attends, je suis en train de chercher un truc. 1-0 pour Clermont, hein, je vous rappelle.
Allez, n'hésitez pas à répondre au sondage, hein, comme je vous le disais. Mais c'est Reims qui doit être normalement premier là, non? Bah, Reims, ils ont perdu. Reims, ils ont perdu. Lens, pardon. Lens, ils ont perdu. Oui, Lens, ils ont perdu contre Brest. Allez, attention, le ballon pour les Clermontois. C'est renvoyé dans l'axe. Oh, le tacle de la part des défenseurs de Monaco. C'est récupéré par les Monégasques. Allez, ça va aller avec Caio Henrique. Oui, ils ont perdu 3-2. Ils ont perdu 3-2. Allez, le ballon pour... Oh, bien joué. Pour les Monégas, ça joue en l'air avec... Minamino. Et ce sera pour... Dio qui va récupérer et capter ce ballon. Allez, le ballon pour les joueurs. Oh, il y aura faute. Il y aura coup franc sur Alevina. Allez, le ballon rendu avec Belmar. Allez, le ballon pour Belmar, ça fait tourner avec Selou. Long ballon, la tête monégasque s'est bien repris avec le ballon clermontois. Ou bien joué la talonnade avec Jim Alevina. Oh, le bon retour de la part de la défense. Allez, ça fait tourner. Ça fait tourner avec Zefran. Oh, bien joué ça avec le ballon pour Zefran. Allez, ça fait tourner. Oh, bien joué ça. Oh, pour libérer de l'espace côté gauche. Et pourquoi pas une occasion. Avec, c'est bien joué. Le sortie. La frappe. Bon, oh, et l'arrêt. L'arrêt de Gone. Il a fait barrage de son corps. Et il a réussi à arrêter ce ballon. Ah, quel loupé quand même de la part de Pelmar. Allez, Golovin. Long ballon avec Ben Yedder. Ouh, la tête finalement de la défense pour directement son gardien. Allez, toujours 1-0 pour les Clermontois. Avec Dio. Allez, le ballon pour les joueurs de Clermont. Et on va retourner à Nantes. Allez, le ballon. Avec le ballon pour Mollet. Et il y aura une faute sur Mollet. On revoit la super barrée là de la part du gardien Restes. Sur une frappe de Chirivella. Allez, le ballon pour les Toulousains, c'est reparti. Allez, on va faire un... En tout cas, merci pour les 20 abonnés en plus, hein, les amis. N'hésitez pas. Par contre, avec tout ce qui se passe autour de Benidir, je n'aurais pas pris dans le... Bah ouais, moi aussi, j'ai trouvé ça bizarre. J'ai trouvé ça assez étrange. Merci, merci Raph. Merci à toi.
Allez, on va aller à Montpellier. Le ballon pour Jordan Ferry, l'ancien Marseillais. Oh, attention, le long ballon. Non, ça sera sorti. Et ce sera un renvoi au gardien Desmas. Allez, Desmas qui va relancer. Savanier, qu'est-ce qu'il réclame là? Allez, le long ballon pour les Havrais en profondeur. Non, ce sera directement pour la défense montpelliéraine qui va se relancer avec le compte. Le compte, on la relance dans l'axe. C'est dangereux avec Julien qui perd ce ballon. Récupération pour les Havrais. Attention, pourquoi pas une occasion à venir. Le petit ballon. Non, ce sera repris. Et les montpelliérains qui vont repartir. Savanier. Oh, la paire de balles de Savanier avec les Havrais. Allez, Julien. Le compte, la relance. Salut Samir, salut, salut, ça fait longtemps. Julien avec la paire de balles pour les récupérations Havrais, oui. Ça fait bizarre de voir le Havre en Ligue 1. Ça fait plaisir aussi. Ça fait plaisir. Ça fait bizarre, mais ça fait plaisir. Allez, le ballon. Côté Havre, ça fait tourner. Oh, bien joué, le long ballon. De la part de Casimir Salmier. Oh, attention, phase de réparation. Dommage. Dommage pour Soumaré. Allez, n'hésite pas, les gars. On like. On n'est plus qu'à 4 likes des 40. Qu'est-ce qu'il dit là, Turpin à Lioui? Ah oui, bah oui. La défaite lensoise, ouais, elle fait mal en tout cas. En tant que supporter de M, si le Havre et l'OM gagnent le même week-end, moi ça me convient, nous dit Nicolas. Salut, salut Nico. Et coup franc sifflé par monsieur Clément Turpin. Et il y a une pause fraîcheur. Pause fraîcheur sur la pelouse de Clermont. Ancien Lyonnais, bah Jordan Ferry, il a pas joué à Marseille. Jordan Ferry, il a joué à Marseille, non? Allez, le ballon pour. Allez, le ballon pour les joueurs clermontois et monégasque. Allez, attention, Modio, le dégagement, c'est bien joué, directement sur la tête de Maripane.
Allez, le ballon pour les joueurs monégasques avec Camara. Petit ballon piqué pour Benedir. Bon contrôle, attention avec Golovin. Minamino. Ah, Vanderson. Le but de Monaco. Superbe conclusion, Vanderson. Ça fait un partout. Il s'est fait mal au nez lui aussi au passage. Ça fait un partout pour Monaco face à Clermont. Superbe. Et on revoit un superbe. Superbe balle en profondeur pour Camara. Extraordinaire, hein. Camara, c'est Fofana plutôt, excusez-moi, Fofana. Superbe amorti poitrine de Golovin pour. On se la refait. Fofana, superbe centre vers Vanderson. Amorti poitrine pour la passe vers Minamino. La remise de Minamino sur Vanderson qui conclut. Ça fait maintenant donc un partout. Quatrième but de ce multiplex. Merde, tu sais, vraiment, Jordan Ferry, je pensais vraiment qu'il avait évolué à l'OM. Je sais pas pourquoi j'avais Jordan Ferry qui avait évolué à l'OM. Je sais pas pourquoi. J'avais ce. Pour moi, Jordan Ferry avait évolué à l'OM. Bah, j'en ai appris encore aujourd'hui. Allez, donc c'est reparti, donc les amis, avec Clermont. Clermont face à Monaco. Vous avez donc le classement qui s'actualise, les amis, à droite. Vous avez les compos en bas qui défilent. Comme par ici là, voilà, elle défile les compos. Et puis après, pendant que je commente le match, vous avez les différentes compos. En haut à gauche, vous avez le nombre total de buts. Allez, donc les amis, on est sur la pelouse de Clermont, je vous rappelle. Alors que là, le jeu est arrêté parce que le ballon est dégonflé. Ils ont changé de ballon et on est reparti avec maintenant le ballon pour Winseca. Donc je vous rappelle, un partout entre Clermont et Monaco. 1-0 pour le A face à Montpellier et 1-0 pour Nantes face à Toulouse. Merci en tout cas à la team RAF d'être aussi nombreux, ça fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à répondre au sondage si vous n'avez pas encore fait. Pour l'instant, on est à 42% supporters Montpellierain face à 38% pour Clermont-Monaco et 21% seulement pour Nantes-Toulouse. Allez, on est sur la pelouse de Nantes avec les Nantais à l'attaque avec Simons côté gauche. Simons le centre. Oh, bien joué là, la tête de Dessler pour enlever ce ballon devant Coco, je crois que c'était, qui était bien dans la surface. Il y aura coup franc. Et il y a quand même un petit peu plus de répondants apparemment côté toulousain. Depuis le début, c'était assez calme. Mais là, c'est un peu plus tranchant. Allez, donc on est parti, les amis. Avec un. Oh, attendez, pardon, j'avais pas vu ça, mais il y a un joueur à terre là, joueur de Toulouse à terre. Lyon aujourd'hui, il me semble. Oui, il joue ce soir, Lyon, à 21h. Il joue contre Strasbourg, à la Méno. Pause fraîcheur, les amis, pause fraîcheur. On va en profiter pour faire un petit point au classement. Avec vous voyez Brest qui est leader virtuellement avec Marseille, Le Havre et Nantes qui ont 3 points tous eux, suivi par Lille qui a 1 point tout comme Monaco, Nice, Lorient, le PSG et après le reste tout le monde est à 0 point, seul Lyon, Metz, Rennes, Strasbourg qui n'ont pas encore joué sont à 0 points et qui vont encore un match de moins. Allez, un coup franc là, on est sur la pelouse de Montpellier. Attention, c'est dévié par la tête de Havre. Attention avec un nouveau centre, la tête encore une fois. C'était Wabi Kadri qui était à la baguette, la reprise de volée. Oula, elle est pas cadrée la reprise de volée de Tamari. Elle est même pas elle est complètement loupée en fait. Elle est complètement loupée avec le ralenti. Je pensais qu'elle était un peu plus cadré que ça, mais si Thomas Pesquet l'a pas reçu encore à cette heure-ci, c'est qu'il y a un problème.
Merci pour les 44 likes, les amis. Allez, le ballon pour les Montpelliérains. Ça fait tourner. Toujours avec Kouyaté, la défense charnière centrale. On va les toucher peut-être. Bien joué, Sylla. Allez, Wahbi Khazri perte de balle. Récupération des Havrais avec le bon travail de la part de Taglia. Merde. C'est Tardjeline, excusez-moi. Il y avait une faute sur Wahbi Khazri d'ailleurs. Allez, le coup franc donc à venir. Et Payet qui signe. Ça y est, c'est officiel, Payet qui signe au Brésil, les amis. Dimitri Payet qui vient de signer au Brésil. Allez, attention, on revient sur la Ligue 1 parce que là, Montpellier gagne l'attaque avec Altamari, le centre à rater, c'est dégagé par la défense du Havre avec Lloris. Touche avec Sako, Altamari. Oh, le duel avec Lloris là. Et ce sera une nouvelle touche. Il y a deux ballons sur le terrain. Allez, la longue touche apparemment à venir de la part de Sako. De Fofana. Allez, le ballon, c'est pour les Montpellierains. La tête, oh, le duel là, assez dur. Wahbi Khazri qui renvoie ce ballon sur son gardien. Et là, il y a une faute, ça réclame une faute en tout cas sur un joueur du Havre. C'est Soumaré. Et il y a un corner. On va aller à la Beaujoire parce qu'il y a un corner pour les Nantais. C'est frappé par Mollet. La tête. Oh là 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 là. C'est repris au niveau du premier poteau par Mohamed. Mais ce ne sera pas cadré. Salut The Game X. Salut. Merci les amis pour les 2630 abonnés. Pardon. Merci beaucoup. Et ils sont libérés les Nantais, j'ai l'impression. Hein. Ils sont libérés. Le ballon pour Restes. Allez, Restes, la relance, la touche pour les Toulousains. Payet une année de plus à l'OM, je n'aurais pas dit non de Nicolas. Bah, je pense que c'était quand même le temps de tourner la page. Je pense que c'était le moment de tourner la page. Après, c'est vrai que. Faut pas que ça dure trop longtemps non plus. Et. Pour moi, c'était le moment de tourner la page. Le bon moment pour que Payet et le club tournent la page. Pour pas que. En fait, ils jouaient déjà plus, donc c'est ça. Eh, merci beaucoup. Merci une nouvelle fois pour ton don de 2 euros, encore une fois, mon ami. Rustix, merci à toi. Merci infiniment, mon ami, pour ton don de 2 euros. Ça fait extrêmement plaisir. Oh, attention, le ballon pour les Nantais, c'est reparti. On va aller par contre sur la pelouse de Clermont parce qu'il y a Minamino qui avait une grosse occasion là et ça n'a rien donné pour l'instant. Mais là il y a une contre-attaque pour les Clermontois, c'est bien joué avec pourquoi pas, ça va filer au but, le ballon avec Kay. Oh non, il a hésité, Kenjo Kay, mais c'est malheureusement capté par Kohn. Salut Flash, Fear Flash, pardon. Salut. Ah, il a dégéné Kay, hein, vraiment. Mais c'est dommage. Je pense qu'il reprend son ballon trop loin de lui, en arrière. Il avait le temps, je pense, de contrôler en plus. C'est dommage. Allez, donc la relance de Kohn avec la défense monégasque. Allez, Magasa. Le ballon pour Minamino. C'est bien joué avec Fofana. Fofana. Oh, attention, il y a peut-être une faute. Non, pas de faute indique l'arbitre. Allez, Vina, le ballon pour Gastien maintenant. Oh, attention, là, par contre, il y aura une faute. Et je pense qu'il y aura un carton là sur une faute de Fofana, oui. Oh, et merci beaucoup, Firkash, pour le don d'un euro. Merci infiniment, ça fait extrêmement plaisir. Merci, les amis. Merci beaucoup, les amis, pour les dons. Ça fait extrêmement plaisir, vraiment. Merci à vous. Merci beaucoup, merci. Je vais des GG dans le chat, les amis.
GG dans le chat, merci à vous. Oh, ça me fait extrêmement plaisir, les amis, pour mon retour. Et il y a carton jaune, hein. Il y a bien carton jaune, les amis. Par contre, attention, le VAR peut se saisir de cette grosse faute de Camara, mais... Pas de soucis, hein, Fierkesh, merci à toi. Ça fait extrêmement plaisir, quand même. Merci beaucoup. Et Vanderson, on revoit hein, son but. On revoit son but, il était présent au bon moment. Super échange avec Minamino. C'est quand même un bon but. C'est quand même un beau but. D'ailleurs, je vous remercierai, hein, les amis, dans ma... Je vous remercierai sur Insta. Je vous remercierai sur Insta. N'hésitez pas à me suivre. C'est le moment. Hein. Pour l'instant, le jeu est coupé. Ça va reprendre. Bah, au pire, je ferai ma pub sur Insta à la mi-temps. Je ferai ma pub sur Insta à la mi-temps. Le ballon pour Seydou. Arrêter de tenter de s'installer dans la partie, le long ballon clermontois. Oh non, c'est récupéré par Vanderson, c'est bien joué. Transversal bien joué à destination de la part de Golovin. Oh, bon retour là de Abdou Seydou, mais Golovin parvient à redonner ce ballon avec Enrique, Ben Yedder, Fofana. C'est bien joué. Matima. Et le goal! Le golasso à Montpellier! Et hors-jeu. Apparemment, il y aurait hors-jeu. Apparemment, il y aurait hors-jeu. Apparemment, il y aurait hors-jeu. Oui. En tout cas, but de Wabi Kazri. Le bon contrôle de la part de. De Savanier. On revoit là. Sur. De El Tamari. Passe à Wabi Kazri et Wabi Kazri qui n'a plus qu'à la pousser au fond. Merci beaucoup Dramex, merci à toi. Merci à toi de Carsport de ton abonnement sur Insta, merci à tous, merci à toi. Alors il y a la VAR en tout cas, il y a la VAR, en tout cas on attend de voir, mais quel altruisme de la part de Altamari de glisser ce petit ballon à Wabi Kazri. Et quelle erreur d'inattention de la part de la défense à Brest quand même. Hein. Ça profite à El Tamari et à Wabi Kazri. Pour l'instant, il y aurait peut-être le 1-1. On va voir. On va voir ça. En tout cas, Monsieur Turpin était en discussion. Les amis, j'attends que pour l'instant, c'est... N'hésitez pas à vous abonner à mon Insta. Merci Liam. Merci à toi de ton abonnement sur Insta. Je vous remercie en live en plus. Donc n'hésitez pas. Il y a bien hors-jeu. Il y a bien hors-jeu. Le but est refusé, il y a bien hors-jeu. On en restera 1-0 pour l'instant pour le Havre, c'est chaud quand même, mais il y a bien hors-jeu. Donc coup franc pour Desmas qui va se relancer. Ça y est, c'est relancé avec la tête de Julien. Allez, ça fait tourner en tout cas. Allez, ça fait tourner. Allez, le ballon. Merci beaucoup, merci Fear Clash. Oh, attention, il y a une occasion pour les Montpellierins. Il est tout seul, est-ce qu'il l'a vu? Wabi Kazri, il va se présenter. Oh non, le bon retour. Attention, ça cafouille dans la défense arvraise. Oh là là là, le retour de Desmas. Oh, il a fait frayeur là, à tous les supporters du Havre. Ah, la passe elle est magnifique et on revoit hein. elle est mal donnée quand même cette passe sur Wabi Kazri, elle est pas assez forte, c'est dommage. Merci beaucoup Enzo, merci à toi, merci infiniment. Allez, il reste 5 minutes dans le temps réglementaire. Merci à tous, hein, tous ceux qui s'abonnent, ça fait plaisir, merci à tous. Je vais regarder, on a combien d'abonnés là? On a pris quand même pas mal hein, aujourd'hui grâce à vous, merci à tous. On est exactement, les amis, à 2638 abonnés, à 2 abonnés on est au 2640 les amis, merci à tous. Hop. Allez, on est reparti donc avec le ballon pour les Toulousains, on est sur la pelouse de Nantes.
Ça fait tourner. En tout cas, merci à tous d'avoir répondu présent aujourd'hui pour mon retour. Ça fait extrêmement plaisir aussi. Merci également à Raph, grâce à lui aussi. Allez, Costa, ça fait tourner. Plus qu'un like et les 50, les amis. Merci à tous. Allez, le ballon pour Diarra. Diarra, c'est repris avec les Nantais. Moutoussamy, ça fait tourner. Jeu en triangle pour les Nantais. C'est bien joué là. Oh, ça ressort propre même pour les Canaries. Et le ballon maintenant pour Thierry Vella. Merci pour les 50 likes, les amis. Allez, Pierre Gabriel. Ouh, très très grosse occasion pour Clermont. Et c'est Kate John Kay. Et encore un arrêt de la part de Kwan qui se rattrape quand même. Sur 2-3 occasions qu'il a, et il se rattrape quand même. Mais il y avait apparemment hors-jeu. Il y avait apparemment hors-jeu, donc voilà. Mais félicitations quand même au gardien qui se rattrape malgré ses deux sa boulette qui a occasionné quand même un but. On ne rattrapera jamais une boulette qui a occasionné un but, mais ça atténue quand même sa performance en tout cas. Allez, le ballon pour les Monégas, c'est bien joué avec Enrique côté gauche. Enrique peut-être pour trouver Golovin, ouais c'est fait, côté gauche toujours. Le ballon qui va finalement repartir par la défense monégasque. Allez, peut-être un but pour Monaco, en tout cas ça ferait du bien. On voit qu'ils ont une grosse possession là, mais attention Gastien qui va reprendre. Non, ce sera repris. Allez, le ballon pour Kohn. Allez, il reste 3 minutes à jouer. Un but partout entre Clermont et Monaco. Attention, c'est bien joué. Le ballon pour les Monégasques avec Camara, Fofana. La frappe. Le poteau. Et Ben Yedder qui reprend ce ballon. Et ça fait maintenant 2-1. Monaco qui reprend le chemin de la victoire. Eux qui étaient menés 1-0. Ça fait maintenant 2-1. Et le 5e but du multi. Le voici, le voilà. Et c'est signé Wissam Ben Yedder. Et Monaco qui reprend le marche avec 2-1. Et on revoit le but de Ben Yedder. Ouais, Ben Yedder qui montre l'exemple, chemin du but. Bug quoi les amis? Il y a un bug? Normalement non. En plus j'ai la fibre maintenant. J'ai la fibre, normalement tout devrait bien se passer. Merci beaucoup, on n'est plus qu'un abonné des 2700 des 2640 pardon. N'allons pas trop vite, le chemin est encore long. Allez donc les amis, je vous disais 2-1 maintenant pour Monaco, le but a bien été accepté. Allez le Havre, tu peux arriver nous dit Léa. Salut. Salut Spada, pardon. Salut, merci à toi. Allez, le ballon pour les Montpelliérains. Attention, là, le duel entre la défense havraise et l'attaque montpelliéraine. C'est la défense havraise qui remporte ce duel, en tout cas. Et il est en difficulté, Adams. Il est en difficulté, il y aura combien de minutes de temps? Il y aura 7 minutes de temps additionnel, j'ai pas assez, je vais mettre 6. C'est énorme, mais je vous rappelle, avec les nouvelles normes, il va y avoir beaucoup de temps additionnel. Il y a bien 7 minutes les amis, mais j'ai pas assez pour mettre 7. Donc voilà, donc je vous disais, ça fait un peu comme la, ça fait comme la Coupe du Monde maintenant, tout le temps arrêté et compté, donc c'est pour ça, il y aura de plus en plus de temps additionnel. Ça va être pas mal, je pense. Ça va être long, mais pas mal. Oh, attention, le ballon pour les joueurs à vrai. Oh, le petit pont, la frappe. Oh, elle est pas cadrée, mais elle est trop croisée, cette frappe d'Issa Soumaré. Il s'était mis en évidence, pardon. La frappe trop croisée. Magnifique récupération de la part des Havrais, mais la frappe, oh, dommage. Ça méritait mieux, je pense. Ça méritait clairement mieux. Ah, il n'arrivait pas à cadrer, c'est dommage. Allez le Havre nous dit Léa.
Et on est repassé devant au niveau du sondage là, avec 41% pour Clermont-Monaco contre 36% pour Montpellier-Le Havre. Toujours 22% pour Nantes-Toulouse. Allez, le ballon pour Lecomte qui va se dégager. Merci les amis pour les 52 likes. Allez, on est reparti avec Savanier. Bon ballon, bien joué avec Sako. Sako avec Julien. Oh, ben jouer ça, le long ballon. Non, ce sera repris. Oh, 9 minutes. 9 minutes à Clermont, les amis. On va retourner à Nantes. Nantes-Toulouse. Allez, Toulouse. Toulouse, le ballon. Avec bien joué pour Dessler. Dessler, le long ballon, c'est contré. Le tacle salvateur. Et il y aura une faute, à mon avis. Ouais, il y aura une faute. Il est en retard, le défenseur. Le défenseur milieu plutôt, milieu nantais, Thierry Vella, qui va prendre un carton jaune lui aussi à son tour, le troisième averti de cette équipe. Ah, il le sortira pas, il le sortira pas apparemment. Oula, c'est quand même dangereux, c'est quand même dangereux. Allez, le coup franc donc pour Toulouse. Allez, donc le coup franc, c'est dégagé. Qu'est-ce que siffle l'arbitre? Et il faut de la phase des réparations. Donc coup franc maintenant à présent pour les Canaries. Allez, ça va être la mi-temps parce qu'il y avait simplement il y avait simplement 4 minutes à Nantes, donc ça va être la mi-temps. Allez, on va aller à Montpellier. Allez, le ballon pour les Montpellier avec Savanier. Allez, Savanier, bon ballon. Oh, attention, il y a peut-être un décrochage là. Est-ce qu'il y aura pénalty sur Wabi Kazri? Pas de faute en tout cas, indique l'arbitre. Oh, il semblait avoir été bousculé en tout cas, Wabi Kazri. Allez, attention, Sako, le centre. La tête, c'est pas terminé. Il est tout seul, Wabi Kazri. Oh, la frappe, elle passe au-dessus, il était tout seul. Et on revoit l'occasion avec Wabi Kazri et le numéro 93 du Havre qui aurait bousculé un peu. Et en tout cas, il réclamait une faute. Hein. C'est Sangaté. Il y a des contacts, mais c'est léger. C'est léger. Allez, Savanier. Kazri. Bon, Savanier qui Turpin, ça commence. Il va mettre des jaunes, hein, parce que ça commence à devenir n'importe quoi, à mon avis. Gauthier Loris, là, qui est en train de discuter avec l'arbitre, ça commence à devenir n'importe quoi. Ça commence à sortir du match, il est temps que la mi-temps se termine. En tout cas, c'est la mi-temps à Nantes, les amis.
Allez, moins d'une minute dans ce temps additionnel. Allez, Savanier, le coup franc, c'est dégagé, c'est repoussé par la défense, c'est pas terminé, ça va revenir dans les pieds Montpellierin. Attention avec Jordan Ferry, le centre, la tête de Cazeri. Oh, la remise aurait été certainement la meilleure idée au lieu de la frappe. Allez, il va rester 15 secondes, ça va être le dernier dégagement de la part du gardien et ça va être la mi-temps. Allez, c'est la pause en quelques secondes. Oula, bien joué. Il y aura quand même une faute. Il y aura quand même une faute là sur Accor. Traditionnel très loin. Et ouais, Mohamed. Et ouais, effectivement. La faute sur Accor Adams. Allez, ouais, si Savanier mettait le but là, ce serait de chapeau là, Savanier, on sait sa qualité de pied sur coup franc, c'est centré, c'est dégagé par la défense, pas terminé avec Jordan Ferry, Wabi Kadri, la remise avec un centre peut-être venant de la gauche pour les Montpellierins, et non, ce sera une la mi-temps, il y aura même pas de corner, ce sera la pause. Demain, on va débuter le national du Nidi Mohamed, et oui, nous on l'a déjà débuté vendredi avec un match nul. Malheureux match nul sur la file, on a été repris, malheureux. Mais j'étais pas au stade, j'étais au stade de Épinal, mais j'étais pas au stade de Nancy. Allez, on est sur la pelouse de Clermont, il va rester 2 minutes. Il va rester 2 minutes. Allez, le ballon pour. Et on se rappelle, hein. On se rappelle Cohn quand même qui s'est. Je vous le disais tout à l'heure, il a atténué. Mais en atténuant, il a quand même sauvé son équipe. Parce que pour l'instant, son équipe mène. Alors qu'il a fait deux arrêts de très très grande classe. Et vraiment très très important pour son équipe. Salut Dylan, ça va très bien et toi? Allez, le ballon pour Clermont. Allez, le ballon récupéré par Golovin, pardon. Et la faute sifflée par l'arbitre. Faute pour Monaco. Il y aura une dernière possession monégasque. Allez, le ballon pour Minamino. Ce sera sorti en touche. Allez, le ballon pour le duo avec le buteur, hein, Winesca. Salut les débriefs d'Afia, salut, salut. Oh, attention, le long ballon bien joué pour trouver peut-être en profondeur. Non, ce sera rendu avec Vanderson la tête. Et le ballon qui sera redonné au Clermontois avec Gastien. Gastien, la talonnade pour Alevina. Borges, le temps additionnel dépassé. Allez, le ballon pour les joueurs clermontois. Allez, Alevina. Oh, attention, récupération peut-être de la part de Matsima. Non, ce sera trop long. Allez, c'est terminé. Normalement, on a dépassé le temps additionnel. On a dépassé le temps additionnel. On joue la 55e minute de jeu. Allez, ça va être terminé là, j'espère quand même. Dépassé depuis quasiment une minute. Merci beaucoup, on n'est plus qu'à 3, à 2 likes maintenant des 60. Merci à tous les amis. Allez, c'est la mi-temps. C'est la mi-temps, c'est terminé. C'est la mi-temps, c'est terminé. 2-1 pour l'AS Monaco face à Clermont. On va récapituler vite fait les scores. Je vais juste aller boire un petit coup et je reviens tout de suite.
Donc 2-1 pour l'AS Monaco sur la pelouse de Clermont, 1-0 pour le Havre sur la pelouse de Montpellier et 1-0 pour Nantes sur sa pelouse face à Toulouse. Les amis, je vous laisse avec l'interface comme ça. Je coupe juste le chrono. Hop. Tac. Je mets le time. Tac. De toute façon, ça va. Comment je vais. Ça va reprendre dans moins de 15 minutes hein, parce qu'il y a des matchs qui ont été... Enfin, le premier match a été terminé il y a un peu moins de 5 minutes. Donc je pense que ça va reprendre vite. Tac. Voilà. Je reviens les amis. À tout de suite.
Allez, reparti les amis, merci à tous d'avoir resté le temps de ma pause, excusez-moi. Donc voilà, hop, on est reparti donc pour cette seconde période ensemble. Poursuivre ces trois matchs de multiplex, je vous rappelle le score 2-1 pour Monaco face à Clermont, 1-0 pour le Havre face à Montpellier et 1-0 pour Nantes face à Toulouse. Vous avez le score, enfin le classement en direct qui s'actualise dès qu'il y a un but, qui est à droite, enfin à droite plutôt sur l'écran. Et puis voilà, vous avez les compositions qui défilent, le score, le nombre total de buts, et puis vous avez quelques images de synthèse pour animer tout ça. Non, il n'y a pas de jeu de la mi-temps, il y en a aujourd'hui parce que j'ai tout simplement pas eu le temps de tout réinitialiser pour, au niveau des interfaces, tout ça. J'ai pas eu le temps de tout faire. Pas de jeu de la mi-temps pour l'instant. Et puis je t'avoue, je suis en train de voir pour un truc. Bon, tu vois là, je vous le dis, hein. Là, j'ai pas fait de nouvelles interfaces, tout ça. Ça n'a pas changé par rapport à l'année dernière. Je vous avoue, j'ai pas travaillé dessus, donc voilà, j'ai pas eu le temps, tout simplement. J'ai pas eu le temps parce que je vous disais, je pouvais pas live parce que j'étais à fond sur le bac. D'ailleurs, je l'ai obtenu. Donc voilà. Et une fois que le bac était fini, la saison, il restait plus qu'un match. Je me suis dit, je vais pas reprendre la saison comme ça alors que j'ai pas live depuis 3 mois. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit tant pis, je reprends en septembre, enfin en août. Je reprends en août et première journée de Ligue 1, on commente. Le problème, c'est que du coup, j'ai pas eu le temps non plus parce que j'ai travaillé et je travaille pendant l'été, donc j'ai le temps que quand je travaille pas du coup. Et j'ai pas du temps de refaire les interfaces. Vous savez, moi j'adore faire ça de base, donc voilà, j'ai pas eu le temps, mais là l'école va reprendre et je vais sûrement me racheter un ordinateur pour pouvoir live plus souvent le soir et des gros matchs, des champions, Europa League, vous allez voir. Et quand ce sera ça, pas mal de petites choses vont arriver, notamment une interface. J'ai pas mal d'idées pour d'interface, mais vraiment ultra stylé. Je peux pas vous en dire plus parce que voilà, c'est pas encore du concret, et tant que c'est pas du concret, je peux pas vous le dire, mais je peux vous dire que en y réfléchissant bien, ça peut être plutôt pas mal. Et le match va bientôt reprendre. Le match va bientôt reprendre, je crois. Je vais regarder sur Prime. Et oui, ça y est, ça va déjà reprendre sur la rencontre entre Nantes et Toulouse. Merci beaucoup. Merci Rustique. Merci à toi. Merci, merci. Merci Johan. Merci la fraude. Allez, c'est reparti les amis. Dans ce match entre Nantes et Toulouse. Ça fait déjà 15 minutes, ça passe très vite, hein, ça passe très vite, juste le temps de se désaltérer et puis voilà. Mais oui, habituellement je commande beaucoup de matchs. J'essaye du moins le week-end de faire le plus de matchs possible. Je pense que là on commentera plus sur la semaine, tout ce qui est lundi soir, le national pourquoi pas aussi. Je vais me diversifier avec de la Liga, de la Ligue des Champions. On va essayer de faire le plus de matchs possible, hein, comme tous les week-ends et comme je le peux. Mais vous en faites pas, si j'arrive à avoir ce nouveau PC que j'espère avoir, ça va être pas mal. Allez, le ballon pour les Nantais, c'est reparti. Avec un ballon pour Mollet, bon contrôle dans l'axe du terrain. Allez, ça joue côté gauche maintenant avec Simons. Oh, le bon retour de la part de la défense toulousaine, c'est bon repli. Et il y aura une faute. Il y aura une faute sur un joueur toulousain. Allez, c'est reparti. Ballon toulousain, toujours avec Costa. Nicolas Hyssen, ça fait tourner. Dessler. Costa. Le long ballon à destination de Diarra. Allez, c'est reparti, je vous rappelle. Avec ballon maintenant pour les Toulousains toujours. Ça bataille, mais c'est reparti avec Diarra. Costa. Le long ballon bien joué pour essayer de trouver Aboukhlal. Aboukhlal sur phase de réparation, il va pas réussir à rabattre ce ballon. Ce sera une sortie. Ou peut-être un corner. Peut-être un corner plutôt.
corner. Autant pour moi, c'est un corner. Allez, le premier corner. Et on voit un 25 ans de la Brigade Loire. Allez, le corner pour le Suisse, le capitaine. Allez, Vincent Siro. Le corner. C'est frappé. Attention, la tête s'est renvoyée. C'est repoussé par la défense. Avec le ballon qui va revenir sur Cazeres. Eh, merci beaucoup, on est plus qu'à 40 likes quand même, des 100, on peut le faire je pense, ça peut être possible, donc n'hésitez pas, tous ceux qui n'ont pas mis de like encore, ça prend 2 secondes, ça fait plaisir, ça m'encourage, merci à tous. Allez, la touche pour Mollet avec le ballon, ça... ouais, c'est chaud le duel là, Mollet, le long ballon, récupération avec Costa. Costa, le ballon maintenant pour Tira, ça fait tourner côté toulousain, Cazeres. Dira. Soiseau. Oh, la remise de Cazeres, elle est pas bonne pour Soiseau. Ce sera une touche. Bon, attention, le ballon pour Nantes. Et ce sera rendu avec le 23. C'est Dira pour Nicolaisen. Costa. Allez, le ballon pour Cazeres. Il va trouver Suero. Dira avec Jean-Ro. On peut jouer ça, Suero en profondeur pour trouver Soiseau. Non, ce sera rendu avec Nicolas Palois. Bon retour de la part du Français. Avec maintenant la fond, le dégagement directement dans les pieds des Toulousains. Avec maintenant Dira. Cazeres. Oh, bien joué. Attention avec la transition pour Dalinga. À Bouclal, le ballon rendu avec maintenant Soiseau. Dessler maintenant pour Dira, côté gauche. Allez, ça peut centrer, non, ça a une feinte, ça va revenir sur Cazeres. Allez, à Bouclal. Et ils vont reculer maintenant les Toulousains avec maintenant Nicolaisen, Suero. Avec à Bouclal. Costa. Soiseau, pardon. Allez, Siro. Allez, l'action toulousaine. Non, c'est renvoyé par les Nantais. Maintenant, ce sera reparti à Montpellier. C'est reparti à Montpellier. Pas de changement. Pas de changement à noter. Pas de changement à noter pour l'instant. Allez, avec un ballon pour les joueurs. Allez, ça fait tourner. Le ballon pour les Montpellier. Rhin. Allez, on est reparti donc. On est à la 46e minute de jeu pour Montpellier. Sacco avec Ferry. Ça fait tourner. Sacco, Ferry. Ferry maintenant pour Chotard. La remise pour Sacco, Julien. Sacco. Sacco. Sacco bien joué avec la remise de Savanier. Sacco toujours. Oh, Falaï Sacco, le long ballon, c'est dommage. Et ce sera repoussé par la défense savraise. Allez, on va retourner à Clermont. Clermont-Monaco, ça y est, c'est reparti là aussi. Et là, il y a des changements. Par contre, il y a des changements. C'est Gastien, non? Côté Monégas plutôt. Excusez-moi, c'est côté Monégas les changements.
C'est Elliot Matadzo qui sort, ouais. C'est normal parce que. Non! Attendez, c'est qui? Oui, Camara. Mohamed Camara qui sort, oui, c'est normal. Il était sur le point de prendre un rouge, donc c'est plus calme de la part d'Ali Hutter de faire entrer Matadzo à la place de Camara. Allez, c'est reparti dans quelques secondes à Clermont. Allez, c'est reparti, les amis. Cette seconde période. Allez, le ballon s'est déjà repris avec les Monégasques qui vont laisser ce ballon sortir en touche. Ce sera pour les Clermontois. Allez, le ballon. Salut Dramex. Allez, je vais mettre fin au sondage. Hop. Allez. Allez, Vina. Le ballon pour les joueurs monégasques. Ça fait tourner. Allez, attention à la reprise. Ou oh, attention, ça peut aller vite. Avec la Clermontois à la contre-attaque. Bien joué Gastien, la remise pour Alivina. Et rentrée sur phase de réparation. Le feinte de centre une fois, c'est bien joué. Le centre peut-être, non, une deuxième fois feinte. Avec un centre pied gauche. Ce sera contré, ce sera un corner. Ce sera un corner pour les Clermontois. Allez, Gastien, le centre, non, c'est joué à deux. Avec un centre, cette fois-ci, renvoyé vers Alivina. Alivina, la frappe. Oh, le poteau. Oh, le poteau de la frappe de Zéphane. Et le ballon qui, heureusement pour les Monégasques, a été touché par le gardien et qui ne le met pas dans le but. Heureusement pour Monaco. Poteau, le ballon renvoie sur les crampons du gardien. Attention, c'est pas terminé. Le centre, c'est capté par Kohn. Quelle frappe de la part de Zéphane. Attention la perte de balle de Fofana. Gastien, il y aura faute. Il y aura faute. Salut TTLG Hero Geek. Salut à toi. On va revoir là. Oh, c'est un miracle hein, qu'il n'y ait pas de CSC, honnêtement. Kohn qui touche le ballon de ses crampons et qui envoie ça sorti. C'est vraiment sacrée chance. Allez Gastien donc pour le coup franc pardon. C'est frappé, directement capté par Kohn. Sans problème, même s'il y avait un petit rebond devant lui. Allez, le ballon pour les joueurs Monégas, Minamino. Le ballon rendu avec Clermont à la baguette pour Seydou. Allez, on va aller à Montpellier. Montpellier-Le Havre, toujours un but à zéro pour les Havrais. Allez, c'est bien joué. Ferry, la remontée de balle. Jordan Ferry, oh, le petit pont sur un joueur Havrais, mais c'est récupéré finalement pour... Les Havrais avec Niego, Salmier. Oh, le ballon. Et ce sera retouché. Ce sera pour Montpellier. Salut, fais très attention. Salut à toi. Salut à toi. Allez, le ballon pour Montpellier. C'est bien joué. Julien. Issa Gassila, côté gauche.
avec Chotard, le 1-2 entre les deux joueurs. Julien Ferry. Ferry maintenant qui va jouer côté gauche vers Altemari. Et il y aura une faute là sur Altemari. Coup franc sifflé par monsieur l'arbitre. Allez donc les amis, coup franc pour Savanier. Allez, ça y est reparti pour le coup franc. Savanier qui va le frapper. L'excellent tir de coup franc de cette équipe montpellierenne. TJ Savanier, c'est au premier poteau, c'est renvoyé. C'est accompagné même par Bobby Cazery et ce sera directement dans les gants d'Arthur Desmas. Mon ami Footlife Show. J'espère que tu vas bien. Allez, le ballon pour les joueurs Havrais. Ça fait tourner. Casimir côté gauche, à la lutte face à Sacco. C'est récupéré par Sacco. Ça peut vite aller en contre-attaque pour les Montpellierains. Allez, Savanier, la petite pichenette bien jouée pour essayer de trouver pourquoi pas son coéquipier. Oh, il tombe dans la surface et réclame un penalty. Et Altemari. Et pas de faute, décidément. Indique Clément Turpin. Attention, là, c'est pas terminé. Avec là, il y aura une faute peut-être. Et oui, cette fois-ci, faute obtenue pour les Montpellierains. Ça va très très mieux dans les 10 premières minutes de cette rencontre. De seconde période. Et là, il y a un carton jaune qui a été sorti en même temps. Et c'est Sanganté qui fait la faute sur. Encore une fois, non, c'était pas Altemari, mais c'était cette fois-ci, c'était Chotard. Il est en retard, clairement, Sanganté. Et donc, coup franc excentré côté droit pour les Montpellierains. Allez, coup franc, excentré côté droit du coup pour les Montpellierains. Et TJ Savanier qui va le frapper. Allez, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un but quand même. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un but. On espère voir bientôt un but. Savanier. Et si Savanier marquait, ça enlèverait une grosse épine du pied. Savanier, le petit ballon piqué. Pour Ferry, la reprise. Et le but. Pour, pas Montpellier, mais pour Clermont, l'égalisation clermontoise. Ça fait 2-2. Quel match dingue. Quand est-ce qu'on assiste Gabriel Montpied. La finesse technique de la part de Mohamed Cham Saracevic pour permettre à Clermont de revenir à 2-2 dans ce rencontre. Et les Clermontois ne sont pas morts. On revoit la superbe passe de la part de qui de... C'est qui fait cette passe? Elle est magnifique en tout cas. Le numéro 30, c'est qui le numéro 36? Ah, c'est Seydou. En profondeur côté droit, il la rabat dans l'axe, magnifiquement donné pour Saracevic qui est là pour terminer l'action. La conclusion magnifique, ça fait 2-2 et on est servi, hein, on est gâté en but cet après-midi, notamment grâce à ce match parce que c'est vraiment là où il y a 75% des buts. Mais très très belle action offensive qui vient se concrétiser par un magnifique but pour les Clermontois. Allez, ballon maintenant pour Ben Yedder. On est reparti donc, je vous disais, 2-2, sixième but de ce multi. Allez, tête de la part de Zéphane. Et le ballon pour les Monégasques avec Saracevic, la touche. Et on va aller sur la pelouse de Nantes. Avec Toulouse à la taille.
Tchak. Et le golasso pour Toulouse. Et c'est pour le numéro 7, Abouklal. C'est Abouklal qui vient terminer cette occasion. Là, on a à peine vu la belle occasion de Toulouse qui s'est concrétisée par un but alors qu'Alban Lafont est à terre. Et le but s'enchaîne. Et c'est pour qui? C'est pour Montpellier. Égalisation Montpellier-Rennes. Et c'est le numéro 8 Montpellier-Rhin. C'est bien sûr Adams qui vient marquer ce but. Ça fait un partout entre Montpellier et Le Havre. Mais deux buts coup sur coup là. Deux buts coup sur coup à Cor Adams qui vient inscrire ce premier but dans ce championnat. On va apprécier la fin de centre de Adams pour venir mettre une caresse, un délice. On revoit la feinte de Savanier. Un petit centre et la tête de Adams. Magnifique. Ah ouais, elle est magnifique, hein, cette passe de Savanier. Petite louche en l'air. Magnifique pour aller trouver la tête d'Adams qui vient inscrire ce but pour le 1 partout. On est à 8 buts. Ça y est. Ça se redémarre. C'est parfait. Et on a des buts et ils sont magnifiques en plus. Superbe conclusion à chaque fois. Donc voilà, mérité de la part des Montpellier, hein, qui depuis le début de la seconde période était en train de pousser. Ça fait un partout avec le but de Lloris à la 6ème minute et le but de Adams à la 58ème minute. Allez, on va retourner à Nantes. Il y a l'égalisation, mais Alban Lafont va sûrement changer sa place parce qu'il y a inquiétude. Hein. C'est plus grave apparemment pour Alban Lafont. Ça va être le changement et c'est Denis Petrich qui va rentrer, le gardien remplaçant. Il est prêt à rentrer en tout cas. Hein. Le changement a été demandé en tout cas par le staff du FC Nantes. Le but à Montpellier et c'est incroyable. Montpellier qui reprend l'avantage, mais en même pas 30 secondes ils viennent de marquer deux buts. Mais qu'est-ce que c'est que ce buteur? C'est bien sûr Accor Adams qui vient marquer un doublé en même pas 2 minutes. Accor Adams qui vient offrir le 2-1 pour Montpellier. C'est le 9ème but de ce multiplex. Qu'est-ce que c'est que cet attaquant Accor Adams? Est-ce que Eli Wally qu'elle est rentrée? L'attaquant qui vient de signer, hein, de Lille Strom. On revoit, hein, superbe prise de balle, il se l'emmène. Et super finition également de son pied gauche pour Accor Adams. Ça fait maintenant 2-1 pour Montpellier face au Havre qui en 2 minutes a perdu le fil de ce match alors qu'il le tenait par le bon bout. Oh là 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 les amis. Bravo à Cor Adams, honnêtement, et là il y a des changements pour les Havrais. Changement pour les Havrais. 15 buts en 15 matchs, hein, pour Cor Adams sur la deuxième partie de saison l'année dernière dans son ancien club. Et on n'a même pas le temps, les amis, de souffler. 3 buts en 5 minutes, même pas. Et donc Petrich. Et il y a un long arrêt de jeu, hein, à Nantes parce que Alban Lafont toujours à terre. Ça a l'air très très grave. Enfin, ça a l'air très grave. Ça a l'air quand même grave. Hein. La civière a été appelée pour Alban Lafont. Et l'évacuation à venir. Et Petrich qui va rentrer. Et le but d'Aboukla qui a bien été validé, hein, les amis. Ah, c'est pas de bonnes images, hein, quand ce qu'on voit là. Alban Lafont sortir sous civière. On espère que ça va aller pour le portier, ancien joueur toulousain. Et Petrich qui n'a plus joué depuis 2020. Petrich qui, ça fait 3 ans qu'il a pu jouer en Ligue 1 depuis 2020. Et en Coupe de France, c'était en 2021. Depuis là, il a pu jouer en match officiel. Mais
Mais du coup, à 35 ans, il va devoir rentrer là et vite se mettre dans son match parce que son club vient d'être égalisé et ils n'ont plus la victoire au bout pour l'instant. On va aller à Clermont parce que là, il y a des crampes. À Clermont, il y a des crampes pour Aïdou Seydou. Et j'ai l'impression, les amis, il y a plus de buts sur ce premier multiplex avec 3 équipes que pendant certains multiplex de l'année dernière avec 3 matchs plutôt qu'avec 4 matchs. C'est vraiment sympa. Hein. C'est vraiment sympa ce multiplex. Pas mal de buts à suivre ensemble. Salut Olympia Turchinu, pardon. Salut, j'espère que tu vas bien. Allez, donc je commande pas pour l'instant parce que y a du temps mort pour l'instant. Ça va reprendre en tout cas à Nantes avec un coup franc pour les Nantais. Attention, c'est capté par la recrue estivale de Toulouse, mais lui aussi s'est fait mal. Allez, on va sur la pelouse de Montpellier avec un ballon pour les Havrais pour l'instant. Ça se lit. Turchinu, c'est du corps. Ok, d'accord. Bah, salut à toi, en tout cas, Olympia Turchinu. Allez, attention, Wahbi Khazri. Il y aura une faute sur Wahbi Khazri. Et il y aura un carton sorti par Monsieur Turpin. Le carton pour Le Havre. Et ouais, c'est très dur hein, pour Le Havre qui a fait une très très bonne première période. Mais là, on voit quand même la différence entre la Ligue 1 et la Ligue 2. On voit quand même la différence. Mais bon, à mon avis, c'est de l'apprentissage. Et je pense qu'il y a quand même une bonne période. Il y a pas énormément de choses à jeter. Il y a pas même pas mal de choses qui étaient très très bons. Mais là, il faut qu'ils apprennent. C'est la première journée. Ils auront 34 journées, enfin 33 maintenant pour en apprendre plus et essayer au moins de se maintenir. Ce sera déjà pas mal. Allez, c'est bon, c'est reparti avec le ballon pour les Havrais. Salut Coco. Bah, je pense honnêtement ça va être le PSG. Je vois pas de surprise, de très grosse surprise. Malgré comment le match nul de hier, parce que l'équipe est encore en rodage, hein, ils se cherchent encore. Mais je pense que PSG sera champion sans problème. On n'est pas loin d'abri d'une surprise. Après, honnêtement, à part le PSG, Marseille, mais je trouve que Marseille aussi est encore en rodage. Peut-être que sur le papier, c'est alléchant. Hein. C'est alléchant, je veux bien l'entendre. Mais pour moi, je les vois pas inquiétés. Lens non plus, ils ont perdu quand même pas mal de cadres dans leur effectif qui, pour l'instant, n'ont pas réussi à les remplacer. Peut avoir des surprises, mais pour moi je pense que PSG va être champion. Oui, j'ai vu Bench. En plus, si Mbappé réussit à avoir un accord avec le PSG pour une prolongation de contrat, c'est la tendance maintenant. C'est complètement invraisemblable. Il y a 3 jours de ça, on n'en entendait même pas parler d'une prolongation. C'était vraiment Mbappé loin du club du PSG, mais là, à voir. On voit clairement qu'il se fait une masterclass chez eux face à Monaco. Ouais, Coco, ouais. Très gros match de la part de Clermont pour l'instant. On verra ce que ça va donner. Là, il y a des crampes en tout cas à Clermont Monaco. Il va y avoir encore pas mal de temps additionnel hein. Allez, on va aller sur la pelouse de Nantes parce que pelouse de Nantes, il y a une occasion, mais il était hors-jeu. Il était signalé hors-jeu, donc on est reparti avec Palois.
Palois avec le ballon pour les joueurs. Les joueurs nantais, pardon, Merlin. Oh, bien joué, ça c'est pour trouver. Oh, attention, la grosse faute là de la part du numéro 8. C'est, oui, c'est Siro. C'est Siro, oui, qui prend le jaune. Siro qui prend le jaune là. Carton jaune pour Siro. Je les vois bien toucher l'Europe cette année, mais je les vois pas. Pourquoi je les vois en Europa Conférence? Tu parles de qui, Coco? Marseille? Non, tu parles pas de Marseille. C'est pas possible, Marseille en conférence. À moins qu'ils soient reversés en Europa et qu'ils soient reversés après en conférence, mais. Tu parles de quelle équipe? De Monaco? Allez, à Clermont. Ouais, ouais, non, je sais pas. Honnêtement, Coco, je peux pas dire. Il y a un coup franc là pour Florent Mollet côté droit. Pour essayer enfin de mettre le danger sur le but de Guillaume Trest. Mais premier poteau, Mustapha Mohamed, ça a été retouché par Dalinga. Ce sera un corner. Clairement, toucher l'Europe, ça paraît un peu invraisemblable. Mais comme ça le paraissait pour Lens il y a encore un an. Hein. Comme ça le paraissait pour Lens il y a encore un an. Je sais pas honnêtement, c'est trop tôt pour moi pour me projeter. En tout cas, faut que j'ai au moins 3-4 journées d'avant. Enfin 3-4 journées pour me projeter, je pense. Allez, le corner côté droit, attention, la tête, c'est retouché, et ce sera côté gauche. Petit enfant nantais sur ses coups de pied arrêtés. Allez, ça va repartir avec Douglas Augusto. Le pied gauche, attention, le pied gauche du Brésilien. La tête, la reprise. Oh, même c'était une bicyclette, hein. C'était une bicyclette de la part de Mustapha Mohamed, mais ça réclame une faute sur un amas de joueurs. Vamos Monaco, nous dit André. Hola André, comment est-ce? Toujours deux buts partout entre Clermont, Monaco. 2-1 entre Montpellier et Le Havre, 1-1 entre Toulouse et Nantes. Salut Yvon! Salut, salut. Allez, on va aller sur la pelouse de Clermont. Merde. Allez, le ballon pour les joueurs clermontois. La tête, dommage, ce sera directement dans les pieds de Kohn. Faut que le Havre égalise, nous dit TV Conan. Il faut en tout cas. Pour avoir du suspense, ce serait pas mal. Allez, le ballon pour les Monégas, ça fait tourner. Récupération finalement clermontoise. Oh, attention, la perte de balle, ce sera trop long. Heureusement pour les clermontois, ce ne sera pas sans danger. Allez, le ballon pour Dio, ce qui va casser le rythme. Oh là là, le dégagement complètement loupé directement en touche. C'est un excuse d'ailleurs, le portier clermontois. Allez, Monaco qui va essayer de s'installer dans la partie clermontoise. Le long dégagement avec pourquoi pas un coup à jouer pour Ken Jonke qui est là pour gêner Magasa. Allez, le ballon pour les joueurs monégasques, ça fait tourner. J'ai vu ça, on va suivre attentivement ce dossier. Allez, avec Matsima. Maripane. Oh, attention, le bon ballon de Maripane avec la... Oh, bien joué, les deux pigeons de Golovin pour trouver Ben Yedder. Ben Yedder en profondeur. Ça va être bien pour trouver Caio Henrique. C'est contré. Ça réclame une main côté clermontois. C'est Caio Henrique et la récupération avec Ben Yedder. Ben Yedder pour Minamino. Il se retourne. Minamino! Oh, le ballon trop croisé, c'est pas terminé. Avec la frappe et le but. Et le but pour Vanderson, le doublé. Le doublé de Vanderson. Magnifique conclusion. Une nouvelle fois, le joueur brésilien qui s'offre un doublé dans ce match.
Superbe conclusion avec Minamino. Quel raté quand même, mais heureusement pour lui, ça se transforme en passe décisive. On revoit hein, le superbe roulette qui laisse ce ballon filer. Il veut frapper, croiser, sauf que... mais c'est Ben Yedder qui marque finalement. C'est le dernier monégasque à toucher le ballon, c'est Ben Yedder qui marque. C'est Ben Yedder qui marque, les amis. Le dixième, c'est un renard. Wissam Ben Yedder. Et il a des crampes maintenant. Et il a énormément donné. Et pour l'instant, Monaco qui est premier. Allez, c'est officiel, il y a bien but. Et Monégas qui reprennent l'avantage dans cette partie, 3-2. Allez, on va retourner à Montpellier-Le Havre. Allez, le ballon pour les Montpelliérains, ça fait tourner toujours 2-1 pour Montpellier. Je vous rappelle, alors qu'ils étaient menés en 2 minutes grâce à leur attaquant Adams, il a réussi à inverser le score de la tendance. Allez, le ballon pour les Montpelliérains avec Silla. Allez, ça fait tourner. Le ballon toujours avec une remontée de balle. Bien joué. La progression sur le côté, mais c'est repris par les Havrais. Allez, il va rester un peu plus d'un quart d'heure pour les Havrais essayer de revenir dans le match. Allez, le décalage sur le côté droit. Joujou. Avec le ballon dans l'axe maintenant. Côté gauche, cette fois-ci avec Casimir. Allez, Casimir. La fin de centre une fois. Les petits passements de jambes. Le centre cette fois-ci. C'est dégagé un peu en catastrophe par Chotard. Allez, il va falloir être costaud au duel. Là pour les Montpelliérains avec le long ballon renvoyé pour Montpellier. Ce sera trop long. Attention, le pressing quand même de la part de l'attaquant sur la défense centrale havraise. C'est bien relancé avec Desmas. Pour Keshta au milieu de terrain. Allez, Salmier. Salmier maintenant. Côté droit. Joujou, c'est bien joué avec le retour et le bon retour avec maintenant Adams. Allez, Adams. Allez, qui va relancer ce ballon? Le 3 contre 2. Le 3 contre 3. Le 3 contre 3 maintenant. Adams, il en est sorti. Le bon retour de la part de Lloris sur Adams. Merci beaucoup, on n'est plus qu'à 3 likes, des 70 likes. Merci à tous les amis. Allez, la balle pour les Havrais. Savanier qui est sorti. Et ce sera une touche. Mais il y aura un changement pour Montpellier. Et c'est Ferry qui sort. Allez, on va aller à Nantes, Nantes-Toulouse, 10 dernières minutes du temps réglementaire. Ce qui aura sans doute de longs arrêts de jeu. Attention, le ballon pour les Toulouse. Hein. Et c'est récupéré par Rich. Allez, le ballon. Le ballon pour Adjam. La touche, Palois, transversale de Palois, magnifiquement dosé là. Avec Mollet. Palois. Tiré là.
Pallois, la remise avec Zez, Mollet. Oh non, dommage. Perte de balle. Et on voit Valdemar quitter à l'image là. Et il y a des changements. Il y a des changements. Magri qui va rentrer. Et la sortie de Soiseau, je crois. Ah non, c'est Gendreau. C'est Gendreau qui sort. Allez, on va aller sur la pelouse de Clermont. Là aussi, il y a des changements. C'est Great John Kay qui sort et c'est Andrich qui rentre. Merci pour les 68 likes. Allez, changement côté Clermontois. Allez, donc Wissam Ben Yedder à l'image là, le buteur, le doubleur même. Salut Viti, pardon. Allez, le dégagement de la part de Cohen. C'est repris par les Clermontois. Allez, ça fait tourner. Jim Alevina qui est sorti à la place de Florent Ogier. Transversal là de la part de la défense clermontoise. Le long ballon bien joué. Pour aller centrer, c'est dégagé par Monaco. Avec maintenant Gastien. Gastien, Matadzo, le petit pont. Avec Mohamed Cham. Le centre à venir, la tête d'aviation. Non, ce sera sorti. Ce sera une sortie de but pour Andrich. Il est en train de siffler le gardien parce qu'il prend son temps. Merci pour les 70 likes. Allez, il reste du temps pour essayer de revenir dans ce match, essayer d'exister. Oh, bien joué Gastien, le long ballon. Est-ce qu'il va y aller? Oui, Andrich, il va y avoir. Il va l'avoir, Andrich. Mais il n'y a personne au centre. Il va temporiser. Attendre un peu de soutien. C'est fait. Avec un centre peut-être de la part de Zefran. Non, ça sera dégagé par Matsima dans l'axe. Avec maintenant la contre-attaque pour les joueurs du Rocher. Fofana qui était là pour presser. Mais ça sera récupéré avec les Clermontois. Réaction immédiate de la part des Auvergnats avec Gonalon. Allez, Seydou. Zefran. Seydou qui va redonner son gardien. Andy Pelmar. C'est bien joué. Non, ce sera récupéré. Attention avec Minamino avec maintenant Vanderson côté droit. Vanderson, est-ce qu'il va centrer? Oui, c'est fait. Il va trouver Golovin. Non, ce sera rendu avec un ballon pour Minamino. La remise. Golovin. Oh, la tentative de Pigeon, c'est pas terminé avec Ben Yedder. La frappe! Oh là là là, j'ai cru que c'était cadré, mais c'est capté par le gardien. Le ballon pour Clermont. Ça fait tourner. Salut Paul Xas. Salut à toi. Allez, le ballon pour les Clermontois. Allez, ça fait tourner. Le centre tête. Oh, la tête d'Andrich qui est pas cadrée, mais ça passe tellement si près des buts de Cohen. Quelle occasion incroyable pour Clermont pour revenir dans cette partie. Ça passe d'un cheveu à côté des buts.
Allez, sortie de Maxime Gonalon. Magnin qui rentre et qui va prendre le brassard. Oh, attention, l'action pour les Monégasques avec Simons et Quentin Merlin. Elle passe pas loin cette frappe de Quentin Merlin. Allez, il va rester 2 minutes, mais à mon avis, il y aura pas mal d'arrêts de jeu. Hein. Comme souvent maintenant. Et Marquinhos qui va rentrer. Marquinhos qui va rentrer pour les Nantais. Et oui, la recrue du PSG, qui, la recrue de Nantes qui a coûté 150 millions pour s'arracher ses services du Paris Saint-Germain. Non, pas du tout. Il vient d'Arsenal. C'est Marquinhos, il vient d'Arsenal et c'est le numéro 10 de cette année nantais. Oh merde, oh non. Non, ça marche pas. Merde, j'avais... Attendez. Pourquoi ça marche pas? Normalement, je voulais mettre ça. Ça marche? Ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Nul, nul, ah. Nul, nul, Germain. Nul, sale nul. De base, pour ma blague, nul, je vais mettre ça, nul, mais c'est un peu loupé. Nul par grand mythe. C'est un peu loupé. Allez, Logan Costa. Ah, tu y as cru en plus? Non, non. Marquinhos, toujours parisien. Allez, bien joué, la déviation pour les Toulousains. Un centre peut-être venu de la gauche. Ça va ajuster le centre. Non, ça sera rendu. Avec donc Marquinhos. Allez, le ballon Toulousain, c'est bien joué. Le petit ballon en profondeur. Et ce sera trop long, ce sera trop long. Ce sera une sortie de but. Et Adjam, il a touché ce ballon, apparemment ce sera un corner. Ça se fait que c'était pas paramétré normalement. Ouais, c'est bien corner. C'est bien corner. Corner pour les Toulousains. Comment ça se fait que c'était pas paramétré? Allez, donc le corner à venir, 9 minutes d'arrêt de jeu, 9 minutes d'arrêt de jeu les amis. Ça veut dire qu'il y a largement le temps encore hein, pour trouver un vainqueur. Corner Toulousain sortant. Rasmus Nicolaïsen, la tête, oh l'arrêt et le but. Oh là 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 là, quelle tête, quelle tête. Mais quelle boulet de canon de la part de Nicolaïsen dans le but, un premier arrêt de la part de Petric, mais Nicolaïsen avait bien suivi la sortie de gardien. Et voilà, je vous le disais, le buteur, je disais qu'il y avait du temps encore pour y avoir un but. Et c'est Nicolaïsen qui vient botter sa tête malgré la superbe parade de Petric en première intention. Et elle était rentrée quand même, elle était rentrée. Malgré la parade, elle était quand même rentrée, mais il vient quand même marquer de la tête. Et Palois n'est pas forcément assez attentif hein, par rapport à Nicolaïsen. Il est au duel avec lui, il est en retard. Et il le paye cash. Il saute trop tard aussi. Peut-être légèrement plus petit que Nicolaïsen. Ah, ils sont en train de checker si le corner, vu qu'il est sortant, est-ce que le ballon est ressorti de la ligne.
C'est en train d'être checké. Non, le but a bien été validé. Il y aura bien but, les amis. C'est le 11e. C'est le 11e de ce multi. Allez, 2 buts à 1 pour les Toulousains. Il reste du temps pour les Nantais, peut-être, avec le ballon pour les Canaris. Ça fait tourner. Chirivella. Palois. Allez, on va aller à Montpellier. Des occasions intéressantes quand même côté Montpellierin. Et il y aura un corner. Il y aura un corner pour les Montpellierins. Il y aura un corner pour les... Non, pour les Havrais, excusez-moi. Corner concédé par Montpellier. Et corner pour les Havrais. C'est... Grand Cyr qui va le frapper. Allez, Grand Cyr. Qui va s'élancer. C'est... Mal frappé, mais c'est contré, c'est redonné. Attention, ballon toujours pour les Havrais. C'est pas terminé, Samuel Grandcyr la tête. Le contrôle, la frappe. Oh, l'arrêt. Quel arrêt de la part de Lecomte. Quelle parade de Benjamin Lecomte sur cette frappe havraise. Il est en train de dégoûter les attaquants. L'ancien de Monaco. Quelle claquette de la part de Lecomte. Sur une superbe frappe de la part de Salmier. Il y aura un second corner. Quelle intelligence surtout sur la remise d'Antoine Joujou. Contrôle amorti poitrine. Allez, Grand Cyr pour le nouveau corner. Allez, ça pousse côté Havrais. On ne veut pas en terminer là. La tête renvoyée par les joueurs montpellérins. On va surveiller le temps additionnel. Il reste 13 secondes. Allez. Le ballon dans le corps montpellierin, c'est bien fait avec Fly Sako. Oh, attention, c'est passé! C'est passé! Il va se présenter! La frappe! Et le but pour les Havrais! Et c'est Samuel Grandcyr qui vient inscrire le 2-2. Le Havre n'est pas cuit! Le Havre n'est pas mort! Les Havrais reviennent dans cette partie. Quel multiplex quand même. Le 12e but. Quel multiplex. Quel multiplex, les amis. C'est Samuel Grandcyr qui vient inscrire ce but. La magnifique frappe à contre-pied malgré que Lecomte avait fait une superbe parade quelque peu de temps avant. Mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Et Grand Cyr là qui tout sourire vient inscrire ce but pour que cette équipe de Clermont du Havre revienne dans le match. Et il y aura 6 minutes. 6 minutes de temps additionnel. Allez, 6 minutes, donc je vous le disais. Allez, le ballon pour les Montpellierins, c'est pas fini. Parce que Adams, il est capable d'en remettre des buts. Hein. Il en a mis en 2 minutes. Allez, Eliwayi qui est rentré. Eliwayi maintenant. Ça va nous offrir un temps additionnel très intéressant hein, sur le stade de la Mosson. Allez, transversal de la part de Kouyaté. Oh, 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 oh. Ce sera trop long. Ce sera trop long. Et il va rester 4 minutes. 4 minutes de suspense à la Mosson. On va retourner à Nantes les dernières minutes. Temps additionnel. Il va rester 3 minutes à Nantes. Nantes menée hein, par Toulouse. Malheureusement, ils ont perdu leur gardien et ils sont menés. Oh, attention, le dégagement là. Pas en catastrophe de la part de la défense. Et Dalinga est sorti. Hein. Dalinga est sorti côté toulousain. Allez, le duel là entre deux Nantais et un Toulousain, ce sera pour les Nantais ce duel. Une touche remportée. Allez,
Pierre Gabriel avec Mollet, déviation parfaite avec Merlin, le ballon rendu avec maintenant pour Dessler. Allez Dessler, la feinte face à Simons, le duel et le ballon qui va repartir derrière avec un long ballon de la part de Rastès. Allez, c'est toujours côté violet ce ballon. Avec redoublement de passe maintenant. Le ballon pour le numéro 3 Dessler. Carceres. C'est bien joué avec Diarra. Carceres. Diarra. Kleissen. Costa. Allez, c'est bien joué ça pour Carceres. Ce sera une touche pour les Toulousains. Allez, la dernière minute à jouer. La dernière minute pour les Toulousains qui vont sans doute aller chercher les 3 points. Faire la bonne opération de la journée. Allez, c'est rendu avec le ballon, toujours toulousain. Simons, la récupération, ça va rejouer avec Chirivella. Chirivella, le petit ballon pour aller trouver, pourquoi pas. Chirivella, toujours la faute sur Kader Bamba. Allez, le ballon pour les joueurs... Nantais, ou oh, attention, il s'est un peu trouvé le défenseur Nicolaisen là. Et Marquinhos qui est là pour essayer de chercher quelque chose. Non, ce sera rendu au Toulousain avec un ballon toujours violet. Le double contact, oh bien joué ça avec Carceres. Non, c'est perdu. Corchial talonnade, oh bien joué avec Quentin Merlin. Quentin Merlin, oh là, Ronaldo chope un petit peu là, tu vois, tu connais. Le long ballon Nantais, ce sera terminé. À mon avis, on a dépassé les 9 minutes de temps additionnel. Ça va être terminé. Restez qui va aller chercher du temps réglementaire, du temps supplémentaire. Allez, monsieur Delageau qui regarde son chronomètre. Ça sent la fin du match. Et le but à Monaco. Le but pour les Monégasques. Les amis, ça fait 4-2 pour Monaco. 4-2 pour Monaco. Ça fera 4-2. Akliouche qui marque ce premier but en Ligue 1. Akliouche, la jeune pépite monégasque. Et Monaco qui va bien s'imposer également. Monaco qui va bien s'imposer. Le 13e but, donc 13 buts, c'est pas mal, hein, c'est bien prolifique. C'est bien prolifique tout ça. Allez, Caio Henrique qui sort, le changement. Et c'est terminé à Nantes. C'est terminé à Nantes, victoire toulousaine sur le score de 2-1. Regardez, voilà, victoire toulousaine. Allez, on est parti maintenant avec le match entre Montpellier et Le Havre. Allez, les dernières secondes de Montpellier et Le Havre. Ça y est, on a dépassé le temps additionnel. On va en rajouter un petit peu parce qu'il y a eu quelques petites fautes non sifflées. Allez, le dégagement. Et il y aura 2-2 entre Montpellier et Le Havre. Hein. Il y aura 2-2. Ça va être terminé. Ça va être terminé. Et voilà, les deux formations qui se quittent dos à dos. Montpellier-Le Havre, 2-0. 0 point pour, enfin, 1 point pour chaque équipe, excusez-moi. Allez, on va aller voir le dernier match. Clermont face à Monaco. Le carton jaune pour Akliouche. Il va rester 5 minutes.
Allez, le ballon pour Gastien. Transversal, déviation de la tête pour Clermont, ce sera trop long. Et le match qui va commencer entre Rennes et Metz. Le match qui va commencer entre Rennes et Metz. J'irai regarder ça en solo. Allez, il reste 5 minutes à jouer. Et Kohn qui va frapper ce dégagement. Allez, déviation de la tête et ce sera en touche pour les Clermontois. Allez, la touche longue, déviation de la tête de Maripane. Avec le ballon maintenant, la frappe captée par Kohn sans problème. Allez, le ballon pour Monaco. Avec peut-être un centre à venir côté gauche. À Kliouche. C'est fait. Vanderson, la reprise. Oh, l'arrêt. L'arrêt en première intention de la part de Duo. Maripane, le long ballon pour son gardien. Merci en tout cas pour les 71 likes. Allez, 3 minutes encore à jouer. Ça fait tourner. Ça fait reprendre ce ballon au deuxième poteau là. Gastien. Oh, il y a peut-être une main. Oui, il y a une main et ballon rendu au Clermontois. Oh, là il y aura une faute. Et carton. Ouais, carton, alors que quelqu'un aurait marché sur le pied de Gastien. C'est Matazzo qui a fait un geste, ouais, qui a marché sur le pied et il y aura un jour sorti par l'arbitre. Ils étaient mal embarqués quand même, les Monégasques. Ils ont fini par, grâce à leur buteur maison, aller chercher la victoire. Pas que, hein. Oh, attention, il y a peut-être un ballon pour Magnin. Dommage, trop long. Par un peu à rapatte le ballon. Allez, Gastien. Avec Borges, le ballon rendu. Attention pour les Monégasques. Oh, c'est bien défendu de la part de Clermont. La dernière minute avec Gastien. Magnin. Magnin maintenant avec le long ballon peut-être. Non, il va préférer temporiser pour les Clermontois. Ça fait tourner. Gastien. Oh, la transversale bien jouée. Tête, elle est contrée. Le ballon monégasque. Allez, la contre peut-être pour Monaco avec Minamino. Le score de 4-2-1 sur Clermont. Sur le stade de Clermont. Allez, attention, le ballon pour Magnin. Bien joué. Côté droit, peut-être un centre. La feinte, en tout cas. Et ce sera bien défendu. Ça va être terminé. Ça va être terminé. On a dépassé les 9 minutes. Il va laisser encore un peu jouer. Salut, Anthony. Salut, salut.
comment tu vas? Allez, le ballon pour les joueurs clermontois. Oh, il l'a vu, c'est bien joué. Une dernière offensive peut-être avec Boutoba. Boutoba, ah, il a essayé d'y aller 1v1, mais il n'a pas réussi. Bon retour et c'est terminé. C'est terminé entre Clermont et Monaco. Voilà. Rappelez vite fait les scores et puis je vais vous laisser parce qu'il y a le match qui a commencé là. Il y a le match qui est démarré. Donc je vais vous laisser aller voir le prochain match. On n'aura pas l'occasion de le commenter, mais on va essayer de commenter bientôt le match de 17h quand ce sera possible. Allez, donc voilà, donc la victoire monégasque face à Clermont. Le match nul entre Montpellier et Le Havre et la victoire toulousaine face à Nantes. Voilà les amis, concernant les scores des différentes rencontres, ça fait un total de 13 buts. Vous avez le classement donc en direct qui s'affiche juste ici. Et voilà, moi je vous dis merci à tous en tout cas d'avoir été aussi nombreux. Merci encore une fois à Raph et merci à nos deux donateurs du jour. Je vais les remercier sur Insta s'ils m'ont pas ajouté. Encore une fois, merci beaucoup, c'est Rustix et Fire Clash. Bon, j'ai dit mal. Rustix et Fire Clash. Merci à vous deux en tout cas les amis. Et merci à tous ceux qui ont été présents à liker le live. On a été presque aux 75. Merci à tous. Moi je vous dis à la prochaine, je sais pas quand est-ce que ça va être, mais très très bientôt, vous en faites pas. Merci à tous, merci à Raph aussi, merci aussi à lui. D'ailleurs n'hésitez pas à aller voir sur son live, hein. Il est en live pour la première ligue, je crois, c'est Chelsea-Liverpool, c'est ça. Chelsea-Liverpool, donc n'hésitez pas à aller le voir. Moi je vous dis à ciao, à bientôt, c'était Speakfoot, vive le foot, vive la Ligue 1 et vive la France. Ciao. Et ouais, désolé Anthony, c'est la fin malheureusement. Mais en tout cas, merci à toi d'être passé, ça fait extrêmement plaisir. Salut équipe, ciao.